Salut à tous, c'est Daika. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma maison, donc personnelle de Vrakmar Donc alors, ce sera pour présenter donc une chose, un projet, même carrément, une, même une, un début d'une série de vidéos. Euh, je vais présenter donc le projet Ressources. Alors, j'en avais parlé dans la, dans la vidéo de reprise de, euh, de la chaîne. Donc j'en avais parlé vaguement que j'étais sur un gros projet Ressources. Et je vais, je vais profiter là de ce soir pour vous parler de ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que, que ce projet ressources-là que, que je vais mener Alors, ça va être assez simple et à la fois ça va être extrêmement long. Donc, euh, donc je vais voir un petit peu avec vous comment que ça va se dérouler. Alors, le projet ressources, donc ça va être le, le but de, de ce projet. Ça va être donc d'amasser, euh, on va dire, une quantité astronomique de ressources. Donc ce que j'appelle ressources, c'est les ressources récoltables. Donc bûcheron, mineur, pêcheur, alchimiste et paysan. Voilà, donc les cinq métiers là, euh, donc il y a donc toutes les ressources du jeu en fait, donc il y en a 89 différentes. Et donc ces 89 là, je vais essayer d'en ramasser un maximum possible. Le maximum, bien sûr, avant la fusion de serveurs, parce que mon serveur n'a toujours pas fusionné. Donc, mon serveur, c'est MyLaze, donc le, le serveur n'a toujours pas fusionné. Et j'espère que cette fusion euh, sera assez tardive. Euh, J'ai rien. octobre, no, voire même novembre, ça sera encore très bien pour moi. Euh, parce que, du coup, euh, après la fusion, il y aura évidemment beaucoup plus de monde sur le même serveur, donc les ressources automatiquement seront beaucoup moins disponibles. Donc c'est pour ça que ça sera beaucoup plus facile pour moi de le faire maintenant euh, que après. Voilà, donc le but pour ça, c'est que j'ai vraiment tout déplacé, mes ressources euh, donc récoltables, donc dans le coffre d'une maison. Donc dans le coffre de ma maison, et ça donne tout ça. Donc là il y en a 89, hein, je le dis, ah non 79 que c'est même, 79 pardon, j'ai été trop... Trop trop généreux là, 79 ressources différentes. Donc là j'en ai pour 64 millions de valeurs estimées. Donc on va dire que c'est plutôt intéressant. Hein. Il y a quand même pas mal de ressources là que j'ai déjà accumulées. Le but dans, dans tout ça, ça va être donc de dresser et, de, et de, de ramasser donc un maximum de ressources en quantité astronomique par palier. C'est-à-dire que je vais classer les ressources avec trois paliers différents. Les ressources communes. Donc là où c'est en abondance, hein, par exemple le goujon, la sardine, euh, le frêne, euh, le blé, euh, le fer euh, et les orties par exemple. Voilà. Par exemple pour en donner un de chaque, c'est ça. Donc ça c'est des ressources qu'on trouve relativement partout, euh, c'est pas très compliqué à en trouver. De plus, dans les métiers, par exemple on prend les orties, on, a, on peut en, en, en ramasser de 7 à 27 par plante, sachant que par exemple... Les mandragores, on peut en avoir uniquement de 7 à 9, et les salicrones encore moins. C'est une salicrone par une salicrone. Donc voilà. Donc évidemment, il y a déjà cette notion ici de, 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 de ressources récoltables en fait par unité. Donc ce que j'appelle par unité, c'est vraiment par, par plan ou par par, par par slot de ressources. Donc en fait voilà, il y a quand même ici déjà des des, des grosses différences. Donc forcément, c'est beaucoup plus dur de rassembler 5000 euh, par exemple 5000 mandragores plutôt que 5000 orties. 5000 orties, c'est très simple. Dans la journée, on peut le faire hein, largement. En quelques heures, c'est fait. Alors que 5000 mandragores, il euh, faut se lever déjà beaucoup, beaucoup plus tôt si on veut faire ça en une journée. <laughs> donc, voilà un petit peu le, le principe. Donc, c'est des ressources communes. voilà Des ressources rares. Donc, ce que j'appelle ressources rares, par exemple, c'est l'eucalyptus, le, hein, l'ébène pas rares mais plutôt on va dire pas rares non c'est pas des ressources rares je, je me trompe c'est des ressources déjà un petit peu plus difficiles à trouver un peu, un peu moins communes vous voyez des, des ressources pas rares mais des ressources un peu plus difficiles à trouver j'arrive pas à mettre d'adjectifs là dessus mais par exemple l'ébène l'eucalyptus les, les lotes par exemple ou encore le malt le seigle euh, les les pendouilles, les edelweiss euh, le l'or des choses comme ça, donc c'est des, 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 des ressources voilà, qui sont un petit peu plus rares il faut déjà un petit peu plus se creuser la tête pour les trouver et ensuite donc une troisième catégorie, les extra rares donc par exemple l'orme bien sûr, donc les ressources de Sufokia où il n'y en a pas beaucoup donc euh, par exemple l'orme, bien sûr les poiscailles, euh, les, les patelles, les tanches hein. par exemple aussi donc, les, les, le millet, le frostise, tout ça donc c'est des, des ressources on va dire rares hein. par exemple l'obsidienne aussi en fait partie donc voilà, ces ressources là là où il faut déjà euh, se creuser quand même pas mal la tête pour les trouver, il n'y a pas beaucoup de disponibilité, il y a pas beaucoup non plus, elles, elles sont pas non plus à beaucoup d'endroits différents. Donc généralement c'est des ressources très ciblées, très demandées. Donc euh, forcément, il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde, donc forcément les prix grimpent et aussi la rareté se fait, euh, se, se, se fait bien évidemment ressentir. Donc pour tout ça, j'ai classé ça dans un tableau. Alors là je me suis lâché. Euh, <laughs> je me suis vraiment lâché. Alors, pour bien comprendre ce tableau là, donc ici on a le nom de toutes les ressources hein, du jeu, voilà, que j'ai toutes répertoriées ici. Donc euh, on va prendre par exemple un, un cas simple, on va uniquement se concentrer sur les bois. Ici c'est les quantités que j'ai donc actuellement dans ce coffre-là. On va prendre uniquement les bois, voilà. Donc, si c'est très bien à jour, le bois de frein, donc j'en ai 32 176, et ici j'en ai 32 176, etc. pour, pour les 20 et quelques, les 19 bois qu'il y a. Voilà. Donc il y en a 19, et donc dans ces 19 ici bois, je les ai ici tous répertoriés suivant la quantité. Et au total, dans ce dans le coffre ici que j'ai en, en entier pour 19, pour quasiment 20 millions de camas, j'ai 169, 169 391 unités de bois. Voilà. Ça c'est ce que j'ai en temps réel. Et donc là j'avais des objectifs 500 et 1000, bon ça ça j'en parlerai pas forcément parce que bon c'est des choses pour, pour surtout pour les ressources rares. Euh, et donc j'ai ici mes objectifs finaux. Donc ça c'est mes objectifs finaux en termes de quantité de ressources par rapport à la, à la, à la difficulté d'obtention de la ressource. Par exemple le frein, objectif 50 000, châtaignier pareil, oliviolet pareil, érable pareil, noyer, chêne. Ça, c'est les ressources qu'on trouve partout. C'est très facile à en trouver. En plus, souvent il y a des étoiles, donc forcément on amasse encore beaucoup plus. Donc ça, c'est des ressources de bois qui sont extrêmement faciles à trouver. Donc j en, j en, je mets objectif 50 000. C'est énorme. Bon, après, c'est sûr que j'en ai quand même pas mal, hein. voilà, j'ai 32, 32 000 à 14 000. Mais bon, par exemple, pour le chêne, il faut encore que j'en ramasse 35 000. Donc voilà, donc ça fait énormément de, 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 de chaînes ramassées. Voilà, donc c'est quand même un, gros, un très très gros projet. Là vous pouvez le voir, c'est quand même très gros. Après il y a donc les ressources que je dis un petit peu plus, un petit peu plus trouvables facilement, mais non pas non plus en, en quantité énorme. Donc il y a le bambou, il y a le leaf, le bambou sombre, le noisetier, le bambou et l'ébène. Voilà. Donc là c'est objectif 25 000. Donc je réduis quand même de, de, de 50 C'est pas mal, mais bon ça reste quand même. Euh, par exemple pour le bambou sombre, euh, il m'en faut encore 22 000. Euh, leaf, il en, il en faut encore 20 000. Voilà, donc il y a encore énormément de quoi faire, hein, euh, bien sûr. Et ensuite, donc, pour les, les, les ressources, on va dire rares, vraiment très rares, donc comme le bambou sacré, le merisier, l'eucalyptus, le tremble, le charme, l'aquajou et l'orme, c'est objectif 5000. Donc là, il euh, là, faut vraiment se creuser quand même, hein, parce que l'orme, bien sûr, on n'en trouve pas beaucoup. L'aquajou, objectif 5000 aquajou, ça me paraît énorme. Donc il y a encore 4000, plus de 4000 à faire. Par exemple, par contre, ici, là, le bambou sacré et le merisier, ça me semble déjà beaucoup plus accessible quand même. Bon, le merisier, j'aurais pu... Après, 25 000 merisier, comme... Je... Après, j'ai hésité. Par exemple, pour le merisier, j'ai hésité à mettre 25 000. Mais je me suis dit, quand même, 25 000 merisier, c'est énorme. Donc on va plutôt 5 000, etc. Voilà. Et donc, ça va... Donc au total, il me faut, quand j'aurais fait tous ces objectifs-là, quand j'aurais été euh, avec ces scores ici, là, j'en eh aurais 485 000. Et là j'en ai 159 000. Donc il me manque 325 609 pour être très 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 précis, pour atteindre l'objectif euh, farm euh, côté bûcheron. Donc euh, c'est quand, euh, quand même énorme. Et ce pour donc pour les 5 métiers. Euh, c'est le côté paysan hein, que je suis le plus à la bourse parce que j'en ai, j'ai que, que 5000 blés donc il me manque 44000. il me manque 46 000 houblons <laughs> donc c'est assez énorme donc j'ai que 31 000 ressources en, 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 en céréales donc il me manque 309 000. En minerais j'en ai 45 000 il me manque 275 000 avec des ressources avec des objectifs 50 000, 25 000 et 5 000. Et sinon, donc en alchimiste, euh, j'en ai, ai 70 000, il me manque 200, 274 000. Et en pêcheur, j'en ai 170 000, il me manque 472 000. 472 000 poissons, ça passe. Donc là, actuellement, j'ai 484 907 ressources dans mon, dans mon coffre ici. Donc 494 000 ressources pour euh, 64 millions de kamas. Et il me manque encore 1 658 000. Et depuis en fait que j'ai fait cette vidéo, donc au début il me manquait 1 793 000 773 000 pardon donc j'en ai déjà fait 78 000. Donc c'est pas mal, sachant que c'est fait une petite semaine que j'ai commencé, et encore vu que je fais pas mal de choses à côté, euh, on va dire que ça avance plutôt pas mal quand même parce que bon, après il va falloir évidemment le répéter énormément de fois. Mais cela dit ça avance, quand même 78 000 ressources c'est quand même pas rien. Hein donc voilà, un petit peu l'objectif fou que je, me, que, que je me lance, donc si vous avez des, des ressources à me passer que vous, vous ne vous, vous savez simplement pas, euh, je suis preneur hein, sur Myles évidemment, euh, je suis extrêmement preneur, donc n'hésitez pas à venir me voir, mp moi sur le jeu Estizia, E-S-T-I-Z-Y-A et, euh, et, et, euh, et si vous avez des trucs de genre, mais même des ressources merdiques, hein, vous voyez, comme le frein, il m'en manque encore. Euh, je sais plus combien il me manque de frein, il en manque encore 17 000. Donc, même si vous en avez 200 qui restent en manque et que vous ne savez pas quoi en foutre, parce que ça ne sert à rien, je les veux, je les veux bien. <laughs> Après, c'est sûr, là, de, de toutes ces ressources-là, je n'en achèterai aucune. Bien sûr, l'objectif, c'est de ferme. Bon, euh, oui, évidemment. Après, pour les ressources rares, c'est sûr que vous mieux les faire, parce que les acheter, c'est même pas la peine. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Par exemple pour l'orme, voilà, et là j'ai 750 unités d'orme, j'en ai déjà pour 1 million 4. 000. Donc c'est hors de question d'acheter ça pour avoir 5000. Hein. C'est mort. <laughs> c'est complètement mort. Par contre, j'ai fait donc trois euh, en fait euh, restrictions euh, par rapport à des ressources qui sont pas forcément rares, pas forcément de, enfin euh, pas forcément recherchées. Elles sont tout le temps disponibles quasiment, sauf une. Euh, donc le frostise. Euh, on peut y aller tout le temps à Frigos, il y en a tout le temps, hein, c'est pas, pas fermé. Sauf que c'est un par un et c'est super chiant. Donc, déjà pour en avoir 500, euh, c'est déjà compliqué, hein, j'en ai que 264. Donc, je me suis dit pas objectif 5000, mais objectif 1000. Voilà, ça, ça sera suffisamment grand, ça sert à rien le Frosties, hein, quasiment à rien. Donc, je me dis ça sert à rien d'avoir 5000, tout ça pour en avoir 5000. En plus, je mettrai énormément de temps en plus pour les, pour, pour les faucher, alors qu'en plus ça vaut rien. Donc un, coup, un jour si je décide de revendre toutes ces ressources là ça ne coûtera rien, donc je me, je me serais fait chier des centaines d'heures à avoir 5000 Frosties pour les revendre 300 kama les, les, les 100, c'est débile, ça sert à rien. Voilà, donc autant se concentrer sur autre chose, donc pour ça je me suis dit objectif 1000 ça suffit. Euh, J'ai mis Objectif 1000 aussi sur les sky, pareil, sky à Frigos, ça coûte rien, ça se craft dans quasiment rien. Et euh, voilà, donc ça sert à rien que je perde aussi que bah, les mêmes raisons en fait, que, pour, que pour le Frosties, voilà, ça sert à rien que je perde du temps là-dessus. Et une autre source par contre qui elle est différente, c'est la Dolomite. Donc la Dolomite, vu, vu que je ne suis pas dans l'Alliance qui a, a pend à la feu, enfin, j'en ai accès qu'à 3 ou 4, je crois. Et bon bah là, évidemment, c'est archi farmé. Donc euh, dans tout ce que j'ai réussi à avoir, j'en ai réussi à en avoir 177. Donc là je me suis dit pop, pop objectif 5000, c'est irréalisable. Malgré que ça coûte hyper cher, hein, ça coûte hyper cher la Dolomite. Là, les 177 que j'ai, j'en ai déjà pour 317 000 Kama. Donc, c'est quasiment la ressource qui coûte le plus cher. Donc, c'est ouf. Mais par contre, voilà, objectif 1000, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc il n'y a vraiment que 3 restrictions ici à 1000. Donc, le Frosties, la Dolomite et les Poiscailles. Donc, voilà. Sinon, le reste, c'est objectif 50 000, 25 000 ou 5 000. Voilà, donc euh, je pense refaire des autres vidéos donc, dans l'avancement de ce projet-là, quand, quand ce chiffre-là aurait bien monté et que celui-là aura très bien descendu. Et aussi, donc je ferai des vidéos en jeu euh, pour vous montrer un petit peu là où je ferme les différentes ressources, parce que euh, je pense que certains d'entre vous euh, ne sa savent pas tous les, les spots en fait, de, de, de prise de ressources, et je pense qu'un petit rappel là-dessus serait pas mal, notamment les ressources rares, je pense, comme, comme le charme, le merisier, le tremble, euh, les... Tanches, les espadons, tous ces ressources là qu'on trouve pas trop trop et qui sont un peu chiantes. Euh, L'obsidienne aussi ça serait intéressant. Et aussi donc je ferai un petit tour aussi dans les dans les abîmes de Sufokia pour présenter toutes les ressources et qu'on peut en dropper environ euh, 50-60 de chaque lorsqu'on les fait entièrement. En fait avec tous les, les différents niveaux. Donc voilà, je pense que je ferai ça dans, dans des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous va ou pas. Et puis euh, en tout cas, ben, voilà j'ai présenté mon petit projet. Le petit projet en fait qui me tient euh, bien à cœur en tout cas euh, pour euh, cette avant-fusion de serveur. Voilà. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, un petit pouce bleu bien sûr, hein, comme d'habitude. Et on se retrouve en tout cas très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne. Restez connectés, restez sages, bye bye.